Chers bien-aimés, moi souhaitais bienvenir dans la célébration de la vie Saint-Nicole Joseph. Saint-Nicole mourit le 1er février 2022. Nicole Paty a rejoint le Seigneur à Paris. Moi, j'ai eu l'occasion de reconnaître Saint-Nicole très très bien. Moi, j'ai senti moins honoré pour être capable d'ajouter. Pendant que nous avons songé, Saint-Nicole reflété sur la ville. Saint-Nicole te renouvelé foi dans Jésus-Christ comme sauveur personnel ici, hein, dans l'église tabernacle de Bocton. 7 ans de cela, en 2015, il était convenu chaque dimanche à l'église pour devenir votre merci pour ça le faire pour lui-même. Dans chaque dimanche matin. Mais bon, l'air qui est arrivé, c'est le monde senti qu'il n'est pas capable de continuer à venir à cause de maladies. Mais nous croyons que c'est le monde qui continue à garder la foi dans Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable d'accueillir c'est le monde dans le royaume ciel. Au nom du pasteur Mouro, Jacques, et membre de l'église tabernacle de Bocton, moi, je voulais présenter une sincère condoléance à petite fille de CDA, Matada, petite fille, Cameron, et Freddy, Jocelyn, Joseph, et madame Marie-Rose, Karine, Joseph, et celui, Marie, Joseph, qui est Marie, Lunel, Jean-Louis, Freddy, Frère Bildery, et hélas, Joseph, tante Lio, neveu Lio, nièce Lio, et tout l'autre membre de la famille qui est exactement affecté par le déplacement de Saint-Nicole, que bon Dieu, notre grâce, nous capable de conforter et capable de créer notre force matière et tranquillité d'esprit dans le moment que nous avons prié à le salut. My beloved brothers and sisters, I would like to welcome you to this celebration of the life of Sister Nicole Joseph, who passed on February 1st. Nicole went to be with the Lord, her father, and I'm glad that I had an opportunity to get to know Sister Nicole very well. I am very honored to be a part of this great occasion today to be reflected on the life of Sister Nicole that she's born to see her father. Sister Nicole, Joseph, her sister Marquis Joseph, and her husband Louis Nel Jean-Louis, her brothers Bildery and Irash Joseph, the aunts, nephews, nieces, and all other family members and friends who are affected by the departure of the beloved sister. May the God of love comfort you and grant you peace of mind in your moment of sorrow. May God bless you, each one of you. We start our program this morning, we shall sing our first song. Pour nous commencer à chanter, pour nous chanter, nous allons programmer, pour nous faire manger ce soir.
Sœur Nicole Joseph partit à 59 ans
Nous sommes capables de dire qu'il est parti à deux tiers de monde vivre qu'on est. Mais c'est nous pas dire parti tôt. Non. La connaissance, vous te connaissez, Seigneur, qui joue cette école qui est faite. Et vous te connaissez qui joue ta quitté d'esprit. Raison pour laquelle nous avons posé, nous dit, il est parti bonheur. Il est parti dans l'heure où il était pour vivre sur terre. Et maintenant, nous tous, l'église là, avec famille, les amis, et nous réunions dans le temple matin, nous saluer des paris. Et pour nous donner sympathie nous à la famille. Et dans le moment, Seigneur, nous appuyons, nous avons infini, nous sommes capables de venir au secours des familles qui ont crié, des petites lios qui sont inconsolables, des frères et sœurs qui sont vraiment en délire. Et nous demandons, s'il vous plaît, Seigneur, qui sont venir. Parce que vous êtes capable de faire rien encore pour ce l'école, mais vous êtes capable de pour consoler nous-mêmes, qu'à prier ma tête. Et faire connaître dans le cœur, et si ce l'école était venu devant un jour, il était accepté le Seigneur, et s'il était de communion avec mon Dieu, il est parti sous tes ça, mais la joie dans le ciel. Et raison pour laquelle nous parlons pour nous affaisser, parler pour nous attrister trop. Lorsque nous pédions au monde, nous connaissons qui fait la paix avec nous. Nous demandons, s'il vous plaît, Seigneur, de confronter et parler dans le cœur et que le départ de cette école soit un exemple pour vous, afin que ça pourra j'y causer avec vous. Nous sommes prêts pour y mettre la vie. Et si par hasard, la mort a frappé, qu'on y amène, nous sommes prêts pour rencontrer avec vous, Seigneur. Nous remettons devant au Seigneur chaque monde qui a une responsabilité matin pour faire une activité dans le funérailles. Et nous demandons capables d'aligner avec cet esprit. Et c'est comme ça que ça va faire, il va faire dans nos petits Jésus. Nous demandons toute grâce à et toute faveur à Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, parce que nous dignes, mais c'est dans nos petits Jésus-Christ qui est mouru et qui est ressuscité. Tu le vois à travers et qui a vécu des présent et à perpétuité. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous disons pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est la gloire au ciel, le règne, la puissance et la gloire au ciel et des siècles. Amen. Dans le groupe de Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand tu n'es plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes. Semblable à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son.
Les jours de nos années se lèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et le guerre que l'on tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la face de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien porter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Nous allons chanter la deuxième mention qui nous a proclamé. Le talent qui vient au nom. Et après ça, on va bien, c'est Daniel Bastille qui va avancer. Le thank you.
pour toujours aimé. Yeah.
pasteur Richard a marqué, il a été congédié. Non? Nous nous souviendrons encore d'elle. Oui, sa jeunesse. Sa jeunesse. Malgré les moments les plus difficiles, malgré les moments de souffrance, les inquiétudes, où chaque personne se sent vraiment en perte de vie par rapport à cette saison dont nous vivons tous. Le Covid, les maladies, tout et tout. Mais à présent, nous sommes en train de questionner
cette rebelle, cette cruelle, pour une qui était la mort, ce tyran qui n'est pas une personne. Malgré toutes les contraintes et les vicissitudes de la vie courante, vous acceptez de répondre positivement ce matin à l'annonce des funérailles de Nicole Joseph, qui a vécu seulement 59 années sur cette terre. En peu de mots, nous pouvions dire, en 2007, elle a connu son premier stroke. En 2009, elle développa le MS, ce qu'on appelle le multiple sclérosis. En 2015, elle était en pleine conscience quand elle a renouvelé sa foi chrétienne en Jésus-Christ, notre Rédempteur. À la fin de l'année 2015, elle développait le démangeait finalement un cancer. Un cancer qui surgit agressivement jusqu'à mettre fin à ses jours terrestres. Je voulais emprunter un mot, les propos de la fin du discours d'Ecclésias. En Ecclésias 12, versets 15 et 16, qui nous dit, crée Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En cette minute, à toutes les familles éprouvées, nous vous disons bon courage et gardez la foi en Jésus-Christ. Puisque il y avait un philosophe épicurien qui lui a dit, la vie n'est rien, mais la vie est tout. La mort, c'est la vie. Pourquoi pas que nous devrions tous œuvrer pour ce qui est. Alors, que vive la vie et que la mort soit à jamais. Merci. C'est le repos et la vie éternelle.
Heureux les affligés, car ils seront consolés, dit le Seigneur. Comment nous font la prière? Adorable Père, Dieu du ciel, notre Dieu de génération en génération, nous couper bien bas devant Majesté Bignon pour nous non seulement implorer pendant que nous l'avons en douleur, mais nous connaissons bon Dieu fidèle et qui est là dans toutes circonstances, dans les petits et les grands. Nous demandons au matin, Seigneur, que ta bienveillance soit sur nous et plus particulièrement sur la famille éplorée, la famille Joseph et la fille de Madame Nicole Joseph, son petit-fils et tous les autres amis et alliés affectés par cette circonstance. Nous demandons au Père dans miséricorde au capable d'accorder à chacun de Monsaïe consolation qui sortit beaucoup de haut. Mais j'en côté faire l'éauté l'en passage sous terre. Pour ne pas te faire assiction à personne. Maman, on t'est consolé. On t'est consolé petit. On t'est consolé même monde qui pas de connaissance. Et en plus forte raison, nous-mêmes, Seigneur, qui c'est membre de la grande famille céleste, l'en moment par l'an Seigneur. Nous proches. Non, bassesse-nous pour nous dire merci. Merci pour la vie de Madame Nicole qui est passée avec nous. Que exemple qui a servi nous de bon guide pour nous continuer à résister. Car nous ne sommes pas venus matin pour nous célébrer la mort, mais nous venons célébrer la vie. Car nous connaissons la vie sortie dans le Seigneur. Que sous parole, ça y est, Seigneur, au capable. Dans la fidélité, consoler tout le monde qui est affligé, Maria. Nous demandons ça, non pas en vertu de l'héritage que nous gagnons, mais nous prions dans notre petit Jésus. À lui soit la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Vivant sur cette terre de péché. Vivement sur cette terre des péchés, de confort pour m'arriver. Le temps contre l'adversaire obstiné, qui peut m'aider sinon Jésus. Tant que nous parlions, que nous venions toute l'éternité à partir.
C'est pour la première fois que je suis entré dans le tabernacle de mon temps. C'est pour vous, c'est la première fois. C'est pour moi, le temps. Cependant, il y a un peu de mort dans le tabernacle avec qui je suis coincé depuis près de 30 ans à concert. Parce que je ne vais pas aller mettre un ancien prophète à Chine, mais on peut nous faire taxer, nous faire taxer dans le monde. Il faut bien appeler dans nous-mêmes qui connaissons. Bon, il faut bien. Moi, c'est Jean-Claude Mézia. Moi, je souhaite croire. Moi, j'étais chez vous la première fois que moi, entre dans le tabernacle, souhaitons que ce n'est pas vous dernière fois. C'est pas vous dire quoi. Sans vous montrer que nous habillons, que nous avons toute l'éternité pour nous passer ensemble. De ce fait, m'avait demandé nous pour nous connaître par du droit de prendre Job 14, verset 14. Job 14, 14. Et si je m'en ai traité avec vous pendant quelques minutes, 25 minutes, on va faire un endroit où nous nous sommes. Si j'ai la vie après la vie, la vie après la vie. Si l'homme a une fois mort, pourrait-il revenir? If a man die, shall he live? Ces questions-là, grand patriarche là, même Job, te posé dans le chapitre 14, verset 14. Début ça qui va être dans Luc. Dans Luc, chapitre 16, Jésus-Christ va pour ça. Et dans Jean, chapitre 11, Jésus-Christ réitéré le pour ça une deuxième fois. If a man die, shall he live? C'est une grande question qui porte vraiment les grands penseurs à réfléchir, qui porte vraiment particulièrement à des Athéniens, des Greeks, des Grecs. Il n'y a pas de monité en pile avec la question, mais c'est important, il n'y a pas de réponse. Si l'homme, une fois mort, pouvait-il revivre? What a question. Nous avons la réponse. C'est qui ça nous connaît déjà? Nous ne pouvons pas parler des gens, nous ne pouvons pas parler des gens, nous ne pouvons pas. C'est qui ça nous connaît déjà? Livre-là qui portait, non, Job-là, parlez-nous en plus des gens. Mais c'est voilà. Comme des chercheurs, comme des hommes de la Bible, on allait plus loin pour nous connaître plus ces gens. C'est pour ça que nous recherchons. Nous découvrons si la Bible a été écrite au chronologique. Je tape côté parmi les livres que Moïse a écrit, à savoir les Pentateuques. Mais puisque la Bible, nous connaissons que pas écrit au fond de lui, chronologique, Job a compté parmi les livres. Nous disons en connaissance de cause. Par exemple, c'est seulement Job. Pas moi qui ça, c'est seulement Job. Mais c'est le 38 qui parle de nous des pyramides de l'Égypte. Dans 66 livres de la Bible, qui parle de nous, livre de Kouchani, qui parle de nous des paramètres de l'Égypte, du berceau de la civilisation. Après ça, notre vidéo, nous pouvons parler de l'Évangile. Nous parlons de l'Évangile, c'est vrai. Mais je vais aller plus loin.
il parle non de pyramide en Égypte. La vie après la mort. Si l'homme a une fois qu'il mourit, est-ce qu'il y a un espoir pour lui revivre? C'est une question pertinente, ça, question, ça, qui vient de ramasser tête en plus de philosophes, particulièrement philosophes dans l'Antiquité. Si nous avons fait un petit voyage, nous avons trouvé de la philosophie pré-socratique. Pré-socratique, en nous avons premièrement Thalès, Anaximénès, Pythagore, Xénophon, Héraclite. Si nous parlons de M. Sario, comme monsieur qui était avant son père. Et là, moi, tous les mains à tête, vous là, nous rencontrons sa moindre, nous avons brûlé les trois compères. Son trio philosophique. Qui c'est Socrate, Platon et Aristote. Socrate, il est le père de la philosophie occidentale. Mais ça ne nous pas dire Socrate par les invité. Nous connaissons Socrate à travers les écrits de Platon. Mais, messieurs amis, tout le monde pense à ça, que vous avez cité, vous gardez silence devant la question grand patriarche de Bosnia. Si l'homme, une fois mort, ouvert sur lui, il fait même d'aille chaque livre. C'est un homme, un des rois classiques. Nous ne sommes pas capables de dogmatique. Nous ne sommes pas capables de dogmatique. Soudain, tout à fait, un, deux, trois, quatre, cinq. Dans l'Ilaïe, dans la lettre, nous verrons des connaissances. Dieu vient, il a dit dans le mal. Bébé, si mon bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que cette déclaration ça? D'agression dans le délivre. Nous disons ça dans Matthieu. Jésus de Nazareth, qui vit sous la mer, lui changer la course de l'histoire. Et c'est Jésus, ça, le fils du charpentier de Nazareth, qui est capable de nous répondre satisfaisant à cette grande question. If even die, shall he live. Non, mes amis, mes chers amis, village de Max, Marie et Lazare, Jésus te répondit. Nous lisons dans Jean chapitre 11. Dans la conversation, Jésus-Christ avec Marie, par Jésus-Christ dit Marie, Jésus la résurrection et la mort et la vie. Marie pense à Marie dit, Seigneur, nous connaissons. Marie dit, mais combien d'après, si Marie lui connaît ce qui était étudié la théologie du livre, mais combien de femmes de bien vous ressuscité? À la fin des temps, Marie était référée dans les temps eschatologiques. Jésus dit, bah là, eschatos, là, on voit ça avec moi. Mais nous, je suis à elle. Je suis la résurrection et la mort et la vie. Vous parlez de l'Apocalypse 19, le cheval blanc paraît pour le Jésus qui parle. Non, non! Jésus-Christ, dans le dialogue avec Marie, tenez ça bien, mes chers amis. Livrez-vous, où est votre futur du transposé présent? Ou eschatologie du futur du présent? Jésus! La résurrection et la mort et la vie. La vie après la mort. La vie après la mort. Jésus-Christ by réponse. Je suis la résurrection. La résurrection de la mort. C'est bien que mon église de vie. Nous connaissons que l'église, quoi que vous pouvez dire, nous connaissons la chaleur, ça.
On est en théologie, on est ça. La résurrection des morts, à ce moment, c'est la première hérésie qui était bombardée l'église de la première fois. Parce que Messie a dit Seigneur a fait résurrection des morts, parce que ça va pas aller. Il va croire à ça. Et ce que nous avons oublié dans le passage du Fils de là, puis pour un ennemi de Jésus-Christ, c'était bouche de débouchage. Saliséeur avec pharisien. C'est toujours la première de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ toujours silence. La vie après la mort. Life after death. Dans les Corinthiens 15, avant Paul dit supporter sa volonté. If la conjonction mort aussi la vie, si if est maintenant chargé. Dans les Corinthiens 15, avant Paul utilisait même conjonction à cette fois. If. Si Jésus-Christ va ressusciter, souligner pour Dieu 15, avec ou pas, vous voyez qu'il est passionné des grands chapitres, ou avocat à portail qui dit j'ai conjonction ça sept fois. Si Christ va ressusciter. Ouais. Il se décroche. N'est pas théologie, n'est pas parler de la Bible. Il y a une intention pour t'asseoir peut-être une cinquantaine de grands versets dans le blanc, il ne va pas passer les convaincus de l'insouciance. Il ne va pas passer les convaincus de l'insouciance. Il y a une grande vie dans le blanc. Parce que c'est une grande doctrine fondamentale du christianisme. Si Christ t'a ressuscité, après Paul employé conjonction ça sept fois. C'est ça que nous avons dit, mais pas théologien, tu as l'intention. Vous t'as choisi. Dans les écrits VTO, un néo-testamentaire, il ne va pas passer. Et pour les églises, sous silence. Sept fois, mais chapitre ça, après la cité, conjonction ça, si. Si. La résurrection de Jésus-Christ et sa mission par le calcaire de la résurrection des morts. Avant Paul, et obligé de tomber, je connais avant Paul, le prince des apôtres. C'est ça. Il y a un grand théologien, Spurgeon, Harlan Spurgeon, qui. C'est lui-même qui débat à Paul, non, ça va, le prince des apôtres. Après toi, avec moi, il est sans débat. Il comprend en face à l'Isseigneur. Il dit oui, bien les deux. There is life. After death, il veut même l'écrire. La vie après la vie. La vie après la vie. Parce que ça n'a pas de la sauvegarde. Et la vie de l'autre est la sauvegarde. Quand il nous a dit que c'était la première chrétien, pas dans l'époque mort. Et là, ça n'a pas eu. Chrétien, pas dans l'époque mort. C'est là, ça n'a pas eu. Mais chrétien, n'a pas Jésus-Christ qui 2000 années t'es mouru, qui 2000 années t'es ressuscité. Quoi? Ça a porté une tour à tour. Pour te bien de Jésus-Christ au bas de la terre dit, je t'attends à savoir qui. La terre dit, pas à qui veut, parce que c'est toi qui aime. À travers l'histoire, nous avons montré les grands fondateurs de religion. Tel que Confucius, tel que Bourreau, tel que Lénine. Mais tous les siens saillants, ils ont mouru, ils ont pas le droit de faire combattre. Mais c'est pas un oui, j'en ai embarqué pour vous. Mais soit les mains tombent, vos œuvres alimentaires,
côté Jésus pour nous livrer. Nous servons la loi vraie. Et aime tout nous. Comme le tombe vite. Comme le gouvernement. Et nous, c'est ça que fait chrétien. L'homme parle de Jésus. Il dit, oh, il est obligé de vous aider. Parce que les fleurs sont les livres, c'est ça qui a choué les livres, tu vois. Si Jésus nous a ressuscité, nous avons vu, nous avons vu. Nous voulons aller. Nous voulons aller, c'est ça qu'on a voulu. Mes chers amis, une fois que nous connaissons le moment de plus, depuis, j'ai avec des hommes qui sont capables, même à partager avec nous, à votre corps, puisque la résurrection de Jésus-Christ, c'est lui-même qui va descendre à celle du croyant. Dressez nos tableaux. Faire une esquisse. Quand on est premièrement dans 58 versets, apporte-nous la proéminence de la résurrection. Nous n'avons rien pour nous faire ça, nous les exégèses. Quand tu t'en écoutes, nous gagnons, nous méditons. Nous m'avons partagé avec vous 5 points importants. Notre un bon intérêt, c'est la réputation de l'Église campée. This is where we stay as Christians. La proéminence de la résurrection que nous lisons dans 1 Corinthiens verset 1 à 4. La proéminence de la résurrection, numéro 1. Numéro 2, le poivre de la résurrection. Ça, c'est bon pour ça. Ça, c'est comment faire. Enfin, monsieur, si vous êtes bien, on entend que j'étais dans la voie Paul, vous êtes bien, pas parler encore. Le poivre de la résurrection, que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5 et verset 6. Ça m'a partagé avec nous là, c'est pour prouver que la résurrection de Jésus qui va aller sans la résurrection par nous. On ne va pas y ça. On dit que Jésus qui va ressusciter, c'est tout qui nous donne dans notre obligation. C'est ça, on est fondé. Parce que c'est Jésus qui fait qu'on va traverser la ville de notre vie. C'est Jésus qui sait. C'est lui qui va aller. Vous ne venez pas dans le monde. Vous ne venez pas dans le monde. Dimanche, la toile, la poule, la poule, la poule. On a vu l'histoire, nous n'avons pas de mémoire. Je sais si elle m'a mis mal, non? Le dessin secret à notre doigt, je ne sais même pas la main. Et on est censé que là, monsieur l'a bien fait, monsieur l'a bien fait. Vous voulez me dire, pas occupé mon mot. Vous voulez me dire, vous voulez me dire. Monsieur l'a bien fait, monsieur l'a bien fait. Mais au fond, nous ne faisons plus vous dire, vous êtes là. Mais c'est pas moi, vous faites ça, vous l'avez dit. Vous voulez me dire, je ne vais pas marcher. Vous êtes bien fait. Vous êtes bien fait. Jésus sur Jésus qui est sous la parole. Jésus qui est tête.
nous venons en haut. La parade de la résurrection. Quatrièmement, et c'est mon quatrième verset, dès les forces. Le programme de la résurrection. Ah, c'est bon, je dis là. Mes amis, ce travail que vous faites dans le christianisme, travail à tes fêtes, vous sortez de l'idée, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et cinquièmement, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Mes chers amis, je ne suis pas capable de terminer sans parler de la première fois pour vous parler de ce que vous avez dit. Pour me répéter par moi, cela, que chaque Dieu vous souhaite de répéter. Nous avons une action d'espérance là. Je ne dis pas que ça pour la pandémie. On a voulu la lettre. Terre au céleste.
Yeah.
Safely go through any of them just to ensure everyone's safety.
And then following our burial service protocol, everyone's welcome to join the family back here in the lower level of the church, where you can share refreshments and fond memories of her. And on behalf of Nicole's family, I thank you all for your love and support. And as we exit the sanctuary, I do ask that you remain in your pews and allow the clergy, the casket, and the family to exit first. Once again, thank you all so much. Merci à vous. Que nous voulons remercier, nous avons parlé de notre participe pendant que les joueurs sont sortis. Il va rester à nous faire sortir et puis après, entièrement, on va avoir une réception qui va arriver ensemble.